coup, là, c'était bien arbitré, Jacques. Parce que finalement, il n'y avait pas de faute ni d'un côté ni de l'autre. Alors qu'Antoine Diot a remplacé Nico Batum. Le voilà, Antoine Diot pour René Thuria. Elle est très belle, la passe d'Antoine. Je feinte à droite. Je rentre ligne de fond. Petite passe à Thuria. En mouvement est inarrêtable. Très bien joué collectivement, désolé. Hervel, Lowers. Lowers qui pénètre, c'est raté. Allez, on lance au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et la faute. Anti-sportive. Je suis pas sûr qu'il joue le ballon. Puisqu'il y a les 4 points d'écart. Tony Parker, Boris Diaw, Tony Parker. Belge qui joue avec deux meneurs, avec Mours, une ligne arrière toute petite. Antoine Diaw. Antoine Diot qui est trop valide, Traoré qui marque. C'est bien joué de la part d'Ali qui va en contact. Il joue petit les Belges. On leur fait payer sur Ali Traoré. C'est bien. Allez, un stop les garçons. Roll Morse. Attention, attention, Christophe Béguin. Oui, Boris Diaw est sur lui. Christophe Béguin. Christophe Béguin raté. Rebond de Ali Traoré. Antoine Diot. Il est passé, il trouve Ali Traoré, tout ça c'est bien, c'est dommage, le shoot est raté, mais c'est bien construit. Hein. Antoine Diot, De Colo, yes. Très bien, voilà. Antoine Diot arrive à bien attraper le timing des mouvements de ses partenaires. Là, Nando De Colo prend ses appuis, qui nous avait mis un panier à 3 points, l'allée. Antoine Diot avec l'écran d'Ali Traoré. Joli ça, joli, 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 joli. Très bien, Ali toujours avec les mains qui traînent. Et Antoine vraiment déterminant dans la tenue de jeu et la lecture des déplacements de ses camarades. Van Rossum. Rollmans, bien joué ça. Bien joué pour le dunk de Christophe Béguin. Et là aussi défensivement, les joueurs français qui sont venus à deux sur le... Si vous venez à deux, il faut que ça vienne derrière à l'intérieur. Ouais. Et surtout, si vous sortez à deux, il faut être agressif pour que la passe ne soit pas facile. Bien, Nico, il est passé là. Oh là là, quelle élégance! Et vous savez, il se resitue, mais il allait faire passe là. Il part pour faire la passe. Canal Plus.fr. De Colo, Antoine Diot. Il faudrait qu'Antoine pense à regarder le cercle. René Thuria, il le joue, il le joue, il le joue, il marque! En force et en touché! En férocité! Voilà! Allez, allez! C'est bien ce panier pour retourner Mbanga qui va être. Roll Morse, Mbanga qui ne marque pas au-dessus de Montéo à la côté. Et la vitesse, la vitesse! La fin d'Antoine Diot! Excellent passage de la ligne arrière, Antoine Diot dans le dos de Colo. Et la France mène de 11 points, 33-29. On va faire s'ils font zone. On revoit là cet échec de Didier Mbanga, la belle sortie de balle de Alakofi, la relance d'Antoine Diot qui trouve Nando De Colo, un toucher de balle, passe à terre, dunk. C'est beau le basket quand la balle navigue comme ça. Et quand les joueurs courent. Allez, derrière ce panier, René Thuria qui exhortait la foule. Je crois que s'il avait pu taper dans la main. Van Rossum en difficulté. Roll Morse, Van Rossum. Il reste 6 secondes seulement. Van Rossum. Marché. C'est bien les garçons, même si Antoine avait souffert sur la dernière. Un contre un, Antoine Diot. C'est bien, bien, bien. Voilà, là il était un peu battu, mais derrière... Tony Parker. On joue petit aussi. Un petit, petit ennemi. C'est Vincent Collet qui s'adapte à Eddie Castells. Il reste en homme à homme, David. Antoine Diot. Ça, c'est bien aussi. Oh mon Antoine, que c'est bon ce que t'as fait. On le reverse. La petite passe à terre qui va bien. Regardez-moi ça. Inversion du jeu. Et faute de René Thuria sur la contestation de déplacement. 5 passes décisives pour Antoine Diot, s'il vous plaît, en moins de 10 minutes. Regardez. C'est un tabac, René Thuria, dans plus le palais de sport. Pour l'équipe de France, Tony Parker qui défend fort sur Double Worth. Roll Morse.
si on a la balle en attaque. Lowers, Mbenga et Rony Turiaf qui parle beaucoup. Les deux joueurs se connaissent, vous le savez, ils ont joué ensemble aux Lakers. Rony, il faut donner de l'aide. Bien, garçon. Antoine Diot, lui, va donner de la vitesse. La Kofi à gauche. Il le joue, il le joue, il le joue, il l'a trouvé à la Kofi. Et c'est Boris Diaw qui sort avec cette balle. Il manquait pas grand chose. Non. Mais on sent l'intention. Hein. Il y a des cannes. Bien, Antoine. Pour Rony Turiaf. Et Antoine Diot est magnifique d'intelligence. Il serre là où ça fait mal. Si on baigne. Bosco. C'était pas Yann, c'était Flo. Bosco. Tu te rends compte quand même, Mike, dans le système américain, Antoine Diot, c'est un gamin en deuxième année de collège. C'est maintenant qu'il joue en pro. Et voilà. C'est bien. C'est pas mal quand même. Non, c'est bien pour la formation française. Je pense qu'on a eu une belle génération. Et puis il y a beaucoup de Français maintenant qui vont jouer à NBA. Donc c'est quelque chose de bien de le voir maintenant sur un terrain. Quand Sergio Scariolo était le coach du Real Madrid, qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe nationale d'Espagne. Antoine Diot. Pression défensive en homme des Belges. Il a pris cher. Il peut donner la taille du champ de Rony Turiaf. Oh, c'est bon ça, Mike, non? Il y a poster là. Il y a poster. Et huitième passe décisive pour Antoine Diot. Et la salle qui s'enflamme. 60 à 32. Et franchement, on a une belle génération. Maintenant, il suffit qu'on précise par un titre. Et la faute de Van der Jonken sur Florent Pietrus. Et quand on aura cette génération à maturité, et peut-être aussi Joachim, parce que ça, ce serait top d'avoir Joachim Noah. Ça serait une belle génération. Ah ouais. Nous, on commente en perruque bleue, hein, si vous faites ça. Et oui. Et 9e passe décisive d'Antoine Diot. Et alors que Rony Turiaf est à terre. Peut-être sur l'écran de démarquage. On revoit l'action, c'est bien sur l'écran de démarquage. Et les remises en jeu, ligne de fond, ça y est. Hein. À savoir une préparation ramassée pour se qualifier comme ça et après être pas cramé en deuxième semaine au championnat d'Europe, qui est une épreuve de longue haleine. Opposé. C'est fait. Bien. Ali Traoré, le voleur de ballon. Lui, il a grippe. Hein. On le morse. Bosco, il est passé. Oh, le compte. Non, ce sera une faute. Et alors non, non, c'est un compte. Pas ici, garçon. Je te laisse passer, je te scotche par derrière. Regardez, au ralenti. Ah oui. C'est net. Il est monté, mais il a oublié quelque chose là. Voilà. Et retour de Nando De Colo à la place de Nico Batum. Nando qui a été déterminant dans l'élan. Olmors qui shoot à 7 mètres. C'est manqué. En fait, il a shooté à 6 mètres. Et comme il était à 7, il a été court. Et Tony Parker qui marque. On voit le retour de Olmors. N'allez pas nous blesser Tony Parker avant l'Euro, s'il vous plaît. Et David, on pourrait parodier les Guignols quand même. Ah, je le dis, hein. Putain, 2 ans quand même. Hein. 2 ans pour se qualifier pour ce championnat d'Europe. 2 ans de galère. Interception. Antoine Diot. C'est compliqué alors que Bosco a stoppé irrégulièrement Tony Parker. Les arbitres ont laissé jouer. Bosco qui repart avec la balle. Ouais. Fratricide. Allez, Antoine Diot. Et Antoine Diot aussi ovationné par le Palais des Sports de Pau. Ce qui veut dire que les gens de la région du Palais des Sports connaissent le basket. Ils ont vu l'impact.